Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour mes chers élèves, bonjour. Alors bienvenue sur votre chaîne Je Communique TV. Alors cette fois, on va voir la petite révision, ce que je dois savoir, ce que je dois retenir. Alors les qualifiants dans le groupe nominal. Les qualifiants dans le groupe nominal. Commençons par cette leçon. Vous pouvez trouver plus d'informations à la page 109. Sur votre livre. L'arbre. Le plus souvent, un groupe nominal GN est composé d'un déterminant et d'un nom, comme l'exemple d'une voiture. Une, c'est un déterminant, voiture, c'est un nom commun. Pour apporter des précisions, des qualifiants au groupe nominal, on peut ajouter soit un mot ou un adjectif, par exemple une voiture blanche, ou un groupe de mots, par exemple une voiture de sport. Un mot ou un adjectif, comme l'exemple d'une voiture blanche, une voiture blanche, blanche, c'est un adjectif. Et un groupe de mots, comme l'exemple d'une voiture de sport, de sport. De plus, de, c'est une préposition, sport, c'est un nom. Alors, on continue. L'adjectif qualificatif. Alors, pour cette leçon, vous pouvez trouver sur page 119. L'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif sert à préciser le nom. Une belle forêt, un cerf majestueux. L'adjectif qualificatif peut être placé avant le nom qu'il précise, qualifie, une petite clairière, après le nom qu'il précise, il qualifie. C'est à lièvre, peureux. À lièvre, peureux. À lièvre, comment? Peureux. Comment est cette clairière? C'est une petite clairière. La petite peureux, ce sont des adjectifs, hein? Comme l'exemple de belle ou majestueux. Il faut tout simplement vous intéresser à cette leçon, l'adjectif qualificatif. Vous pouvez trouver d'autres exercices, page 19. Alors, 119. Pardon, on continue. Alors, les groupes essentiels de la phrase. Page 131. Vous pouvez trouver, si vous voulez, plus d'informations avec des exercices. Page 131. Une phrase comporte des groupes essentiels qu'on ne peut pas enlever, des groupes facultatifs qu'on peut enlever qui donnent des précisions sur la phrase, comme l'exemple de chaque matin sur la table de la cuisine, groupe facultatif ici. Les deux groupes essentiels de la phrase, ce sont le groupe sujet, GS, et le groupe verbal, GV. Mon petit frère dort, c'est groupe sujet. Et les enfants regardent la télévision. Les enfants, c'est un groupe sujet. Regarde la télévision, c'est un groupe verbal. Et dans, c'est un groupe verbal aussi. Alors, le sujet du verbe. On trouve le sujet du verbe en posant la question qui est ce qui. Dans la phrase, le sujet fait ou subit l'action. Il est souvent placé avant le verbe. Comme l'exemple de Mehdi récupère le ballon. Récupère, c'est le ballon, c'est le verbe. C'est un groupe verbal et Mehdi, c'est un sujet. Alors, le sujet peut être soit un groupe nominal, comme les enfants courent vite, ou un nom propre, Mehdi tire, ou un pronom personnel, comme l'exemple de il se démarque. Il se démarque. Il, c'est un pronom personnel, un nom propre, c'est Mehdi, et un groupe nominal, c'est les enfants. Alors, pour plus d'informations, le sujet du verbe, vous pouvez trouver page 141. D'accord? Les groupes essentiels de la phrase passent 131 et l'adjectif qualificatif passe 119 et les qualifiants dans le groupe nominal passent 109. Voilà, c'est tout pour le moment, à très bientôt.